Mais bonjour à tous, OK, qui vous parle, Philippe Alexet, OK, là, ben, depuis le Brésil. Eh bien là, en fait, tout simplement, aujourd'hui, nous allons, en fait, tout simplement, OK, avoir hein, ce qu'on appelle un échange super important. Et là, c'est pour cela que, en dépit du fait que moi, je connais les crypto-monnaies, Divardo et Angeline connaissent les crypto-monnaies, maintenant, il faut comprendre qu'il y a différents niveaux de connaissances. Mais en fait, aujourd'hui, nous avons invité quelqu'un. Mais cette personne, en fait, OK, c'est quelqu'un qui investit sur les crypto-monnaies, cela fait déjà plus de 10 ans. C'est quelqu'un qui a gagné énormément, OK, justement, au niveau des crypto-monnaies. Et c'est un homme d'affaires au niveau de, justement, dans ce domaine. Et vous allez voir, par sa manière simple, justement, d'expliquer, OK, de pouvoir, OK, là, ben, t'en ben, et aussi, OK, là, ben, montrer non seulement ses connaissances, mais en fait, eh ben, n'importe qui, même le plus novice, le plus simple, OK, justement, même celui qui ne connaîtrait pas grand-chose sur les crypto-monnaies arrivera à comprendre avec ses explications, OK, là, aujourd'hui. Donc, là, on va lui laisser la place. Donc, là, aujourd'hui, vous s'est monté, OK, là, à présentation, OK, là, de Uma Pessoa, Uma Pessoa, à mais de 10 anos, investidores, OK, justamente nas crypto-monnaies, vous vont ver, gente, et eu posso dizer para vocês. Eu conheço, eu entendo de criptomoedas, mas aí, aqui não é apenas usuário de criptomoedas, é um especialista, um profissional, um investidor, ok? Justamente no ramo das criptomoedas, há mais de 10 anos. Vocês vão ver, com a maneira de explicar, ok? A maneira de ensinar, ok? Com a simplicidade que ele faz, mais a pessoa mais novato no ramo das criptomoedas vai poder entender, compreender e aproveitar essa oportunidade que acompanha o Bitcoin Vault hoje. É por isso, ok, sem perder mais um segundo, eu vou deixar ele, ok, o microfone. Ok, Thiago Varela, campeão, meu amigo, é contigo. Olá a todos, muito boa tarde. Me chamo Thiago Varela. Ok, ben bon, bonjour, bonsoir, en fonction de où vous êtes. Ok, je m'appelle Thiago Varela. É um prazer estar aqui com todos vocês. Parabéns pela presença de todos, aos que já fazem parte do projeto. Parabéns pelo trabalho que vem desenvolvendo, em especial aí o Felipe, o Edivaldo e a Angeline, que estão com poucos dias de negócio, mas já estão com grande trabalho. Ok, là, ben déjà, ok, ben, félicitations, ok, pour votre présence à tout un chacun. Et là, mais surtout, OK, là, ben, je voulais aussi féliciter, OK, là, ben, tous ceux qui sont déjà dans l'activité, qui sont présents et qui sont en train de faire un immense travail, OK, justement, ensemble avec Philippe et Vivard d'Angeline, que j'ai pu constater que c'est vraiment un énorme travail. Ils ont commencé fort. Et desejo aqui boas-vindas à todos qui estão vendo pela primeira vez essa oportunidade. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do que vocês vão ver nos próximos minutos. Donc, je voudrais, OK, souhaiter pour ceux qui n'y sont pas encore, je voudrais vous souhaiter la bienvenue. Je suis sûr et certain, OK, qu'à l'issue de cette conférence, OK, vous aussi, vous allez vous avoir envie d'en faire partie parce que vous allez comprendre, je suis sûr que vous allez apprendre beaucoup de choses, découvrir beaucoup de choses qui vont vous plaire aujourd'hui. Então, vamos direto ao assunto. A grande oportunidade que a gente tem aqui hoje é uma oportunidade de trabalhar, perdão, a oportunidade de ganhar dinheiro trabalhando com mineração de Bitcoin Vault. Ok, a primeira informação, ok, en allant directement au sujet, ok, qu'on va voir aujourd'hui, c'est la possibilité, en fait, ok, là, de pouvoir gagner de l'argent en travaillant, en faisant, ok, justement, en minant, ok, en faisant du minage de monnaie, ok, de monnaie, la monnaie qu'on appelle le Bitcoin Vault. Só que para a gente entender o quanto é bom minerar Bitcoin Vault, a gente tem que primeiro entender o que é Bitcoin Vault. Eh bien là, ben, avant de comprendre okay, pourquoi c'est aussi bon de miner du Bitcoin Vault, il est surtout important pour nous de savoir déjà dans un premier temps, c'est quoi le Bitcoin Vault? Então, eu vou fazer compartilhamento de tela, onde eu vou estar passando para vocês algumas informações em tempo real de mercado a respeito dessa moeda. Eh bien, c'est pour cela que moi, je vais partager mon écran avec vous et je vais vous montrer, en fait, OK, des informations, non pas d'une compagnie, d'un site, mais OK, là, ben, OK, mais en temps réel, ce que le marché dit concernant cette monnaie-là. Para isso, eu vou utilizar aqui informações, primeiramente, do CoinMarketCap, que é uma plataforma de informações de mercado cripto. Né? Quando a gente quer saber alguma coisa sobre exchange, sobre moeda, sobre movimentos do mercado de criptomoeda,
O site mais utilizado no mundo é o CoinMarketCap. Que pertence a? A Binance. Donc voilà, ben justement. Et ben là, ben c'est pour cela que moi j'aime bien aller sur le CoinMarketCap parce qu'en fait aujourd'hui c'est la plus grande et la plus renommée des plateformes, ok, justement de crypto-monnaies qui regroupe, ok, toutes les crypto-monnaies, toutes les informations des crypto-monnaies, et on peut avoir en fait ce qu'on appelle même l'ADN de toutes les crypto-monnaies sur cette plateforme là. Comme ça, en fait, là, ce n'est pas une information. On ne peut pas changer les informations. Ce n'est pas un réseau social qu'on peut poster une information. Et CoinMarketCap, ce n'est ni plus ni moins, ni plus ni moins que la propriété de Binance. A gente tem dentro do mercado mais de 5.700 moedas e mais de 23.700 exchanges movimentando. Mais de, tem que botar em dólar, mas mais de 700 bilhões, milhões de dólares de mercado. Ah, donc, muda aí. Là, en fait, okay, on peut voir en temps réel, okay, que cette plateforme, elle regroupe aujourd'hui un peu plus de 5784 monnaies différentes, plus de 23 000 exchanges, et au moment où on se parle, OK, là, ben, OK, ça représente, OK, toutes les crypto-monnaies qui sont représentées par ces exchanges-là représentent un mouvement de 293 milliards de dollars, OK, ben, en crypto-monnaie. 293 bilhões de dólares, o tamanho do nosso mercado, né, cripto? Eh ben là, en fait, 293 milliards de dollars, c'est la dimension de notre marché en crypto-monnaie. E vamos aqui buscar informações sobre o Bitcoin Vault. Et maintenant, on va rechercher des informations concernant le Bitcoin Vault. Nesse momento, o Bitcoin Vault ele está cotado a $405.51. Au moment où on se parle, le Bitcoin... 1,78 de valorização só nas últimas horas. En fait, là, OK, là, ben, au moment où on se parle, le Bitcoin Vault, OK, vaut, OK, exactement... $405.51, une valorisation d'un peu plus d'un 1,78 au cours des dernières heures. Wouhou! Tu peux grimper Bitcoin Vault. Pode subir Bitcoin Vault. Então, quando a gente olha para uma moeda, a gente precisa observar se ela atende a três pré-requisitos. Quand on analyse une monnaie, il est important, OK, de pouvoir savoir si cette monnaie-là, elle répond aux trois facteurs principaux. Primeiro, si essa moeda ela é descentralizada. La première information, est-ce que cette monnaie elle est décentralisée? No site do bitcoinvault.global, você vai encontrar informações a respeito da moeda ser descentralizada. Bitcoin Vault é descentralizado. Et là, vous allez okay, sur le site okay, du Bitcoin Vault, vous allez voir okay, toutes les informations qui prouvent que la monnaie Bitcoin Vault est une monnaie totalement décentralisée. Você precisa entender se essa moeda possui liquidez, se essa cotação de $405, por exemplo, se você consegue vender ou comprar a moeda na hora que você quiser. Donc, après, le deuxième facteur important, c'est de savoir si cette monnaie-là, elle a de la liquidité. C'est-à-dire, est-ce que quand je veux, est-ce que je peux changer cette monnaie-là contre n'importe quelle autre monnaie au moment que je le décide? Et a gente tem no Bitcoin Vault, só nas últimas 24 horas, uma movimentação de mercado de $52 milhões. Et on peut déjà voir, OK, ben, au niveau du mouvement du Bitcoin Vault, seulement le Bitcoin Vault, OK, sur le marché, il y a eu un échange de $52 millions seulement au cours des 24 dernières heures. Et ce sont des personnes qui sont no mercado nessas últimas 24 horas, entrando em exchanges pelo mundo para comprar ou vender Bitcoin Vault. Ce sont en fait, OK, là, des personnes qui sont rentrés sur les dernières 24 heures, qui sont rentrés sur les exchanges au cours des 24 dernières heures, soit pour acheter ou pour vendre des Bitcoin Vault. Et si la moeda está valorizando, é porque tem mais gente comprando do que vendendo. Et si la monnaie
est en train de prendre de la valeur, eh bien, la loi du marché, c'est que ça prouve qu'il y a plus de personnes qui veulent en acheter qu'il y a de personnes qui veulent en vendre. Essa moeda foi lançada no dia 12 de dezembro de 2019. Foi quando a história do Bitcoin Gold começa. En fait, cette monnaie a commencé le 12 décembre 2019. C'est à partir de ce jour-là que l'histoire du Bitcoin Gold a commencé. Nesse momento, as pessoas já podiam começar a minerar essa moeda. À partir de ce jour-là, le 12 décembre, OK là ben, les personnes pouvaient déjà commencer à miner cette monnaie. Mas nesse momento não existia venda de moeda, porque era apenas mineração. Mais en fait, il n'y avait pas encore okay, la vente de la monnaie, parce que c'était seulement du minage à l'époque. Il fallait la créer. Primeiro a moeda precisa nascer, depois você precisa vender essa moeda, mas ela precisa existir primeiro. Donc la monnaie, elle a besoin de naître, elle a besoin d'exister avant de pouvoir être vendue. Et c'est ce qu'on appelle la miner. Eu vou entrar aqui no gráfico de uma outra, de um outro site que é similar ao CoinMarketCap, que se chama CoinRanking. Je vais pour vous montrer que c'est pas que le CoinMarketCap qui parle seulement du Bitcoin Vault de cette manière. Je vais entrer maintenant okay, sur le CoinRanking. Et là, on va aussi faire okay, une recherche, une analyse justement du Bitcoin Vault sur le CoinRanking, qui est aussi une grande plateforme qui regroupe okay, là, ben, presque toutes les monnaies du monde, les crypto-monnaies. E a gente aqui vai visualizar o histórico, o gráfico dessa moeda desde que ela chegou no mercado até hoje. Et là, on va pouvoir, OK, là, ben, de manière plus détaillée, observer le graphique de cette monnaie depuis qu'elle est entrée sur le marché. No dia 5 de janeiro, essa moeda não valia nada, porque ela não tinha chegado no mercado ainda. Le 5 janvier, cette monnaie, elle ne valait rien, parce qu'elle n'était pas encore arrivée, OK, justement, sur le marché. Elle n'était pas encore en vente. No dia 6 de janeiro, a moeda chega ao mercado já valendo 10 dólares e 13 centavos. Et là, en fait, la monnaie est arrivée okay, là, le 6 janvier sur le marché avec déjà une valeur de 10 dollars. E agora eu vou pular o gráfico em intervalos de 30 dias para a gente entender o que aconteceu com a moeda. Et là, je vais okay, là, ben, sauter de 30 en 30 jours voilà, ben, pour voir ce qui s'est passé avec cette monnaie au cours des derniers mois. No dia 6 de fevereiro, essa moeda já valia mais de 20 dólares. Le 6 février, cette monnaie, OK, elle valait déjà, OK, là, ben, elle valait déjà un peu plus de 20 dollars. No dia 6 de março, entre subidas e descidas, a moeda terminou, ficou no mesmo valor de 20 dólares. OK, ben, le 20 mars, avec des montées, des descentes, une fluctuation, OK, la monnaie, OK, là, ben, elle est restée à un peu plus de 20 dollars. No dia 6 de abril, ela já passou para mais de 30 dólares. OK, le 6 avril, elle est passée à un peu plus de 30 dollars. No dia 6 de maio, ela já estava 130 dólares. Le 6 mai, elle était déjà OK un peu plus de 130 dollars. 6 de junho, ela já ultrapassou 200 dólares. Le 6 juin, elle a dépassé les 200 dollars. 6 de julho, alguns dias atrás, ela já estava chegando a 300 dólares. OK, le 6 juillet, elle atteignait déjà un peu, elle atteignait les 300 dollars, il y a quelques jours en arrière à peine. E somente do dia 6 de julho para hoje, essa moeda valorizou 105 dólares. Et là, pour vous donner une petite notion de croissance, seulement entre le 1er juillet et aujourd'hui, cette monnaie s'est valorisée d'un peu plus de 105 dollars. Et a nossa proposta de negócio vai estar, se trata de você, à partir de hoje, começar a produzir essas moedas todos os dias. Essa moeda que se valorizou tanto em tão pouco tempo. Et là, en fait, okay, là, notre proposition aujourd'hui pour chacun d'entre vous, c'est à partir d'aujourd'hui que vous puissiez commencer à miner cette monnaie qui s'est valorisée tellement au cours de ces derniers mois. A gente está falando de uma moeda que se valorizou 1.587 vezes em 6 meses.
On est en train de parler, OK, d'une monnaie, OK, qui s'est valorisée, un peu, qui s'est valorisée, ben, ni plus ni moins que 1587 fois au cours des 6 derniers mois. Para cada $1 que você tivesse comprado de moeda, hoje você teria 1587 dólares. Ah ben là, pour avoir une petite idée, si vous aviez acheté seulement une monnaie, OK, là, au début, aujourd'hui, vous auriez en main 1587 monnaies et dollars. Que é essa moeda que você vai produzir a partir de agora. Et c'est de cette monnaie dont je vous parle que vous allez commencer à produire à partir d'aujourd'hui. Hoje existem duas formas de você ter Bitcoin Volt. Aujourd'hui, en fait, il y a deux manières que vous ayez en fait des Bitcoin Volt. Você vai entrar nas principais casas de câmbio do mundo, como CoinIO, MXC, LeBank, BX, Liquid, CoinBene, e comprar essa moeda, ou você mesmo vai poder produzir a sua própria moeda. Vous pouvez aller au question, OK, n'importe voilà ben les plus grandes OK exchanges du monde, OK comme CoinIL, MXC, OK LeBank, BX, Liquid, CoinBene, et là à ce moment-là et vous pouvez aller là et acheter de la monnaie. Essas exchanges hoje somadas, elas representam quase que 5% de toda a movimentação de criptomoedas do mundo. São muito grandes. Donc, pour vous donner une petite idée, seulement celles qu'on vient de citer représentent en fait 5% de toute la liquidité de tout le marché de Bitcoin à travers le monde. Elles sont très grandes, ces exchanges. E é importante que sejam grandes exchanges para que a gente entenda que o valor da moeda, de fato, está sendo determinado no mercado, porque são exchanges que movimentam bilhões de dólares por dia. Donc, en fait, OK, là, c'est important, OK, que les exchanges qui liquident cette monnaie soient grandes, parce que de cette manière-là, on a une confirmation sur le fait que, justement, que cette valeur, elle est réelle, parce qu'aujourd'hui, ce sont des exchanges aujourd'hui, OK, là, qui mouvementent, OK, plusieurs milliards et des milliards de dollars par jour. Essas exchanges são as responsáveis por movimentar 52 milhões de dólares só em Bitcoin Vault nas últimas 24 horas. Les exchanges dont on vient de vous parler, elles sont responsables de pouvoir mouvementer, OK, seulement celle-là, OK, seulement sur le Bitcoin Vault, un peu plus de 52 millions de dollars, seulement sur les 24 dernières heures. Se você entrar em alguma dessas exchanges para ver o tamanho da movimentação diária, você vai descobrir que todas elas movimentam uma média de 500 mil milhões de dólares por dia cada uma. Bem, se vous entrez OK là, ben, sur chacune d'entre elles de ces exchanges là, vous allez voir OK chacune d'entre elles movimente voilà une moyenne au moins de 500 millions de dollars par jour. On est aujourd'hui, on est sur ce CoinIL maintenant, c'est 506 millions de dollars. Entre as exchanges que trabalham hoje com Bitcoin Vault, a gente tem a CoinBene, que é a 10ª maior exchange do mundo. OK, parmi toutes les exchanges qui acceptent justement le Bitcoin Vault, il y a en fait le CoinBene. Le CoinBene, OK, là, c'est ni plus ni moins que la 10e plus grande exchange du monde sur les 23 740 qui existent. E é uma exchange que movimenta hoje uma média de... Só nas últimas 24 horas, movimentou 825 milhões de dólares. Eh bien, pour avoir une petite idée, même en plein week-end, OK, là, ben, les dernières 24 heures, OK, ben là, cette exchange, elle a movimenté un peu plus de 825 millions de dollars. E essa exchange hoje é a 10ª maior do mundo e tem mais de 5 milhões de clientes. Donc, et cette exchange, OK, là, c'est la 10e plus importante dans le monde. Elle a un peu plus de 5 millions de clients. Et pourquoi je suis parlant des exchanges qui travaillent avec Bitcoin Vault? Pourquoi je suis en train de parler des exchanges qui sont en train de travailler avec le Bitcoin Vault? Parce que les exchanges, elles ne sont pas simplement casas de câmbio, elles sont bolsas de crypto-moedas. Parce qu'en fait, les exchanges, elles ne sont pas seulement okay, là, des, monnaies, des maisons de change okay, de crypto-monnaies, mais elles sont aussi la bourse de valeur justement okay, là, des crypto-monnaies. Si vous, hoje,
entra na Coinbase, por exemplo, e oferece uma moeda por 400 dólares e ninguém compra essa moeda por 400 dólares, ela vai baixar para 390, se ninguém comprar, ela vai baixar para 380, até encontrar o valor que o mercado está disposto a pagar pela moeda. Sur Coinbase, par exemple, si vous allez acheter des Bitcoin Vault sur Coinbase, et là, en fait, ok, là, et vous voulez l'acheter pour 400 dollars, et s'il n'y a personne qui veut l'acheter à 400 dollars, eh bien, Coinbase, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont la proposer à 399. S'il n'y a personne qui la propose, qui l'achète à 399, il la propose, ok, en fait, à 398. S'il n'y a personne qui veut l'acheter à 398, il la propose à 397, et ainsi de suite. Então, se você entra hoje, né, dentro da, como eu estou aqui, dentro da Coinbase, né, então, se você entra nas maiores exchanges do mundo e você encontra a moeda sendo vendida a 400 dólares, é porque, de fato, este é o valor que o mercado está pagando pela moeda. Donc, si vous entrez sur Coinbase et vous entrez sur une exchange, c'est parce que, ok, un fait est réel, c'est que le marché est en train de payer plus de 400 dollars pour cette monnaie au moment où on vous parle. C'est le marché qui le dit. Eu agora estou novamente no site da moeda e eu quero falar sobre essa pessoa, Eyal Abramovic. Mais là, ok, maintenant je suis sur le site de la monnaie. Ok, là, ben, et je vais parler de cette personne, Eyal Abramovic. Eyal Abramovic é a pessoa responsável por assinar o white paper do Bitcoin Vault, a certidão de nascimento da moeda. Eyal Abramovic, ele é responsável por avoir signé tout simplement la white paper justement du Bitcoin Vault. En fait, c'est lui qui a signé son attestation de naissance. Ele também é fundador da Digital Mining, uma associação que reúne os maiores nomes de mineração de Bitcoin do planeta. Et en fait, il est aussi okay, le fondateur de Digital Mining. Digital Mining, c'est un consensus en fait qui regroupe les plus grands mineurs auquel a du monde. A gente tem, por exemplo, a Mininvest, que é entre as grandes mineradoras do mundo, que é a que nos vai dar a oportunidade de produzir, de também minerar Bitcoin Vault junto a ela. Et parmi tous ces grands mineurs, les plus grands mineurs du monde, OK, il y a aussi Mininvest. Cette Mininvest, en fait, c'est elle, OK, là, ben, qui nous donne l'opportunité de pouvoir miner cette monnaie à travers eux. A Mininvest pertence também ao Eyal Abramovic. Et la bonne nouvelle, c'est que Mininvest, OK, appartient aussi à Eyal Abramovic. A Mininvest existe desde 2015, está entre as maiores e mais eficientes mineradoras do mundo. E, en fait, Mininvest existe depuis 2015 e elle fait déjà partie des plus grandes fermes de minage du monde. E hoje são minerados todos os dias 21.600 Bitcoins volts. E aujourd'hui sont minés tous les jours 21.600 monnaies tous les jours. Então, se hoje uma moeda vale 400 dólares, 21.600 moedas valem 8.640.000 dólares. É o valor de produção diária hoje da Mininvest. Repete devagar em duas partes essa parte com os números, por favor. Então, se uma moeda hoje vale 400 dólares e a Mininvest produz 21.600 moedas por dia... Ok, en fait, ce qui veut dire que si aujourd'hui, ok, Mininvest produit 21.600 monnaies et la monnaie aujourd'hui, elle vaut un peu plus de 400 dollars... Eu nem sei onde foi que eu parei aqui, mas falei que... Então... O resultado. Ah, ok. Então, porque o José Manuel me chamou aqui, me falar com ele me atrapalhei. Então, hoje, isso quer dizer que a Mininvest literalmente fabrica 8.640.000 dólares todos os dias em moeda. Donc, en fait, ce qui veut dire que, ok, d'une manière pratique, ok, ça veut dire que Mininvest produit
8 millions de dollars de monnaie par jour. E quanto mais a moeda se valoriza, mais o valor total de moedas cresce também. Então, todos os dias, a Mininvest produz cada vez mais e mais e mais valor de moeda. Ok, plus la monnaie en caisse évalue, ok, plus la compagnie, ok, elle fait du chiffre, ok, là, ben plus, ok, là, ben, elle produit de la monnaie et c'est ce qui fait le cycle infernal, ok, ben c'est ce qui fait qu'achat aussi que la valeur de la monnaie, elle évolue. Essa página que vocês estão vendo aí é o explorador da moeda. Todas as moedas possuem uma página com todas essas informações. Il faut savoir que la page sur laquelle que nous sommes actuellement, c'est depuis okay, le coin market cap, okay, on est sur l'explorateur de la monnaie. Il faut que vous sachiez que toutes les monnaies ont cette même page-là, où on peut avoir l'ADN même de la monnaie. Nesse momento, o Bitcoin vote a $403, já está entre as 5 moedas mais valiosas do mundo. Ben, au moment où vous parlez, okay, là, le Bitcoin vote, okay, là, il est à $403 et fait partie okay, là, des 5 monnaies qui ont les plus importantes au monde. Existe hoje em circulação um pouco mais de 7 milhões de moedas, de 21 milhões que serão mineradas. Aujourd'hui, au moment où on se parle, okay, là, il y a un peu plus de 7 millions de monnaies. Des 21 millions qui vont être minés. 27 millions qui ont déjà été créés sur les 21 millions qui vont être minés. Essas 7 millions de moedas hoje valem quase $3 billion. Et en fait, aujourd'hui, au moment où on vous parle, ok, ces 7 millions de monnaies représentent okay, près de $3 billion. Et então, essa moeda hoje está entre as 10 moedas do mundo com maior market cap. Et aujourd'hui, avec ces informations, on peut arriver à la conclusion que cette monnaie fait partie des 10 monnaies qui ont le plus grand volume en market cap dans le monde, en participation du marché. Et un numéro, et último número que eu gostaria de compartilhar com vocês é o hash rate da moeda. Le dernier chiffre que moi je voulais partager avec vous, en fait, c'est le hash rate de la monnaie. Esse hash rate coloca o Bitcoin Volt, esse hash rate de 11.8, coloca o Bitcoin Volt como a segunda moeda do planeta com maior poder de mineração. En fait, avec un hash rate de 11, aujourd'hui, ça met en fait le Bitcoin Volt au deuxième rang des monnaies qui ont le plus grand, OK, qui ont la plus grande production en monnaie, le plus grand pouvoir de minage. 11.8 só fica atrás, 11.8 de exahash só fica atrás do Bitcoin, do próprio Bitcoin, que tem mais de 100 de exahash. Ben, pour avoir une idée et de comparaison, 11.8 en exahash, en fait, ça représente ni plus ni moins que le deuxième rang, justement, des monnaies qui ont le plus grand exahash du monde, OK, de toutes les monnaies confondues. Et elle se place au deuxième rang juste après le Bitcoin. Até então, as moedas com maior exahash no mundo tinham uma média de 2, no máximo 3 de exahash. Aujourd'hui, OK, la moyenne, OK, là, de toutes les autres monnaies dans le monde qui sont bonnes, OK, elles ont un exahash en moyenne de 2, 2,5, 3 exahash. E o Bitcoin Volt hoje já tem mais que o triplo de exahash da terceira colocada, que seria o Bitcoin Cash. Donc, pour avoir une petite idée de comparaison, le Bitcoin Volt aujourd'hui, il a le triple en exahash de la troisième monnaie du monde en exahash, qui est le Bitcoin Cash, hein? Sim. Qui est le Bitcoin Cash, c'est ça. E qual a importância disso? Mais en fait, mais OK, j'ai compris. Mais c'est quoi l'importance de tout ça? Quanto maior é o exahash de uma moeda, maior é o investimento na mineração dessa moeda. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus une monnaie a un exahash important,
plus en fait qu'elle assure pour la production de cette monnaie, il a été investi de l'argent. Esse número demonstra a velocidade e a segurança das transações envolvendo uma moeda. Et en fait, ces chiffres-là nous montrent la rapidité, justement, qu'il y a de la production de la monnaie et surtout la sécurité qu'il y a vis-à-vis de cette même production. E o exahash é representado pela quantidade de máquinas ligadas para se minerar uma moeda. Então, quanto mais exahash, mais máquina. Quanto mais máquina, mais dinheiro. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'exahash, okay, cette mesure, ça va mesurer en fait, okay, là, ben, c'est lié au nombre de machines qui sont en train de produire cette monnaie par seconde. Donc, plus il y a de machines qui produisent cette monnaie par seconde, plus de monnaies sont créées aussi par seconde. 11.8 quer dizer que existem mais de $1 bilhão investidos na mineração de Bitcoin Volt. Faut savoir que un exahash représente $100 millions en investissement. Donc ça veut dire aujourd'hui, parce que tout simplement, on casse $100 millions d'investissement à 11.8 exahash, tout simplement, pour pouvoir miner cette monnaie, il y a en machine d'investi un peu plus de $1,180 milliards. E se o mercado de mineração está disposto a investir mais de $1 bilhão na mineração dessa moeda, a gente deve parar para olhar para essa moeda. E se o marché est en train justement, qu'il est en train de se focaliser sur une monnaie pour pouvoir investir $1,180 milliards, il est important que vous et moi, monsieur tout le monde, que nous aussi nous puissions s'arrêter et pour pouvoir, okay, là, ben, rechercher des informations concernant cette monnaie.